Je vous montre ma serre, comment c'est rendu, les plans que j'ai partis de la graine dans une petite serre achetée au Canac en toile, en vinyle, avec des lumières LED que j'ai achetées sur Amazon. Je voulais voir si ça faisait vraiment la job. Faut pas oublier aussi que je suis dans la pièce où qui est le plus éclairé et au printemps, il n'y a pas de feuilles dans les arbres, donc j'ai vraiment beaucoup de soleil qui rentre, fait que ça aide encore plus. La toile a été fermée une journée sur deux, si on veut. Je l'ai quand même ouverte. J'ai arrosé avec un spray régulièrement pour pas que la terre soit trop sèche. Puis, quand les germinations ont sorti, ben là, j'ai commencé à arroser un petit peu plus abondamment. Voilà. Fait que là, mes cocombes puis mes petits pois sont prêts à être transplantés dans des formats plus gros qui vont éventuellement être mis dans des bacs à genre de fleurs verticales que je vais laisser en dedans parce qu'il fait encore trop froid à l'extérieur. Je vais vous les montrer par la fenêtre. J'ai ces bacs-là ici avec des supports en métal. Fait que je vais mettre les plants dedans, mais pas planter directement dans le bac, mais juste garder le petit carton de plastique, là. Je vais les faire dans des plus gros contenant, puis toutes les mettre là-dedans. Fait que ça va permettre qu'il y ait plus de soleil de façon verticale à l'intérieur. Puis ça va me permettre de repartir d'autres graines parce que, dans le fond, j'avais expliqué dans ma première vidéo que c'est la première fois que je faisais ça en serre, puis aussi que j'avais commencé un petit peu en retard, mais finalement pas tant. Puis j'ai regardé sur ChatGPT pour savoir quelles plantes je devais partir en premier qui prenaient le plus de temps à pousser, puis quand j'allais les récolter. Fait que j'avais calculé que les zucchinis, les citrouilles, etc., j'allais partir juste après ceux-là. Fait que là, ça fait presque un mois, si je me trompe pas, même pas, 3 semaines, un mois. Je pense que c'est trop. En tout cas, mais maximum un mois qui sont là, mais là, ils sont vraiment dus pour être mis dans des plats un peu plus gros parce qu'ils font beaucoup trop de racines. Je vous montre qu'est-ce que ça a de l'air. Donc, j'ai enlevé pas mal toutes mes couvercles là. Ça, je les mettais au début pour garder l'humidité puis aider à la germination. Je les ai virés de côté parce que d'un côté, je voyais qu'il y avait plus de difficulté à pousser. Fait que je me suis dit, peut-être à cause du soleil qui provient de la fenêtre. C'est pour ça que ça, c'est des graines de cantaloupe du Dinosaur Diving. Ça fout le pousser. Je voulais juste l'essayer pour voir puis regarder comment c'est prometteur, là. Il y a genre plusieurs plants dans un truc, fait qu'il va falloir vraiment que je les transplante vite, là. Je les divise. Ici, on a des poivrons. C'est des graines aussi, j'ai récupéré de l'épicerie, si je me trompe pas. Je suis pas mal sûre. La moitié a pas marché, fait que c'est ceux qui étaient trop vieilles, je me rappelle plus, mais j'ai pris des notes dans mon cahier. Ici, c'est toutes les plants de tomates, donc des graines récupérées de mes plants de tomates que j'avais achetées au Canac il y a un an ou deux. C'est des tomates, tomates célébrités. Puis les autres, c'est des tomates cerises. Ça, c'est des graines directement achetées. Ici, toutes des graines achetées, donc betteraves, carottes, je me suis amusée à les planter d'avance, même si je sais que je vais les récolter juste à la fin de l'été ou à l'automne. Ici, on a toutes les cocombes libanais. Je n'ai pas trouvé des cocombes anglais, il y avait des cocombes du marché, mais des champs, genre, mais c'est pas ceux-là que je voulais, fait que j'ai acheté ceux-là. Ici, il y a les autres qui ont le mieux poussé, honnêtement. Puis, en arrière ici, c'est quoi? Céleri, c'est assez long à pousser, vous voyez, c'est pas gros. Ici, c'est tout le chou, mais si je me trompe pas, moi, chou frisé, chou vert, c'est des graines récupérées, ou je l'ai acheté. Faudrait que j'en vérifie dans mon cahier. J'ai racheté des fines herbes, ils étaient à bon prix. Puis c'est des. Moi, je me rends compte que les miennes n'avaient pas poussé super vite. Et je me suis dit, je peux quand même peut-être les rediviser puis refaire des plants. Ça, c'est de la coriandre, du basilic parce que j'en voulais tout de suite pour le cuisiner. Mais finalement, il n'a pas poussé plus vite que je pensais dans la serre. La salade masculine, ça ne pousse pas tant dans mon truc. Ici, c'est toutes les fines herbes normalement. Il y en a qui ont poussé, mais vous voyez, il y a eu peut-être trop d'humidité. Là, ça commence à sortir là. Fait que peut-être, là, j'ai ouvert les couvercles pour qu'il y ait un petit peu plus d'air. Je viens juste les arroser aussi. Même chose ici. Ça, c'est des tous les cartons. Ça sèche beaucoup plus rapidement. Ça, c'est un avocat du Dumpster Diving, ou que j'ai acheté, je ne me rappelle plus. Du Dumpster Diving. Avocat Slimo quelque chose. Slimo. C'est des gros, gros avocats, là. Puis ça faisait genre 4 mois qu'il était sur mon évier dans un linge mouillé pour qu'il germe. Puis je voyais qu'il faisait des racines. Puis là, j'ai dit, je vais l'essayer de le mettre là-dedans. Puis ça fait un mois de plus. Puis regardez, il a commencé à faire une pousse. Fait que je suis bien contente. C'est assez long à faire pousser, là. Et ici, on a les pousses de pois verts et haricots. Donc, j'ai les deux ici. Là, ils n'ont plus de place pour pousser, là, à moins que je déplace une tablette. Fait que ça a super bien fonctionné aussi. Là, ils vont avoir besoin de support, etc. Fait qu'il va falloir que je les transplante, là. Comme vous pouvez voir, ils commencent à manquer de place dans leur pot. Fait que voilà. Fait que là, mon but, ça serait de les transplanter dans des pots un petit peu plus gros. Les mettre peut-être dans des plats, dans des bols aussi. Des bols comme ça ici. Puis, c'est ça. Puis de recommencer à partir des semis, parce que dans un mois, ben là, je pourrais en remettre au jardin, tout simplement. Puis voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Évidemment, je ne garderai peut-être pas tout ça. Ça se peut que je vais donner, vendre des plants là-dedans, parce que je vais en avoir beaucoup trop. J'aurais vraiment manqué de place pour les contenir. Mais évidemment, j'aimerais vraiment ça, d'en avoir le plus possible. Et les fraisiers, j'ai acheté, ça, je ne savais pas, mais les fraisiers, la première année, ils produisent presque pas. La deuxième année, ils produisent des fruits. Puis la troisième année, il faut comme leur donner, il faut le fertilisant, puis tout ça. Puis on peut faire. Des duplicata avec des pousses. Fait que là, moi, ça fait un mois qu'ils sont là avec un peu d'humidité, puis ça n'a pas rien fait. Sauf que ceux qui étaient dans mes bacs à jardin l'an passé, ben là, ils produisent. Fait que c'est à suivre. Ici, en arrière, c'est quoi? Je pense que c'est des pois. Ah, eux autres, c'est des petits pois sucrés. Mais vu qu'ils prenaient pas toute la place, je les ai laissés là, mais je vais les transplanter éventuellement. Fait que voilà.
Puis, au point que je voulais dire, qui est très important, c'était rare que je voyais, mettons, chez Canac ou dans les quincailleries, les graines qu'ils vendaient au printemps, souvent, c'était pas nécessairement, tu sais, les moins chères, c'était avec OGM, sans faire puis une marque dessus, là. Mais là, j'avais vraiment la possibilité, soit OGM, soit pas d'OGM, puis, ben, soit bio ou OGM. Puis là, je me suis dit, ben, tu sais, je suis pas folle, je vais prendre ceux qui n'ont pas d'OGM. Pour la différence de prix, c'était pas énorme. Et honnêtement, mes plants ont tout de suite pogné. Comparé, c'est ça, je peux dire, tu sais, des trucs qui viennent du dumpster, il y a sûrement des OGM, puis ça a poussé. Ben oui, c'est des graines récupérées, je les ai bien fait sécher, ça se conserve longtemps, mais n'empêche que je suis bien contente parce que pour ça, j'ai pas eu de problème à pousser. Tandis que les autres années, exemple, les acheter au Dolorama, ça fait de même, là, ça poussait pas tant. Ça poussait pas aussi bien, mais c'est sûr que j'avais pas la serre. Fait que la serre, ça a dû beaucoup aider pour la pousse. Fait que je vous montrerai le reste quand je ferai d'autres semis, puis quand je vais mettre ça au jardin, si ça vous intéresse. J'ai oublié de vous dire, il y a plein d'affaires que j'ai oublié de planter, que je pourrais faire là, mais j'étais un peu en retard. C'est tout ce qui est oignons. J'ai acheté des oignons, puis regardez, les bulbes sont déjà en train de germer. Il faudrait que j'aille mettre de la rhubarbe. J'en ai déjà de la rhubarbe, mais je voulais en mettre plus. Fait que ça aussi. Puis là, je voulais sortir mon cahier, justement, pour vous dire qu'est-ce que j'avais fait. Ah, poivron, épicerie, dumpster. Il y en a la moitié qui ont marché. Quant à l'autre, il faut le bien marcher. Fait que là, je vais pouvoir me marquer des notes, les quantités que j'ai faites, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. J'essaie de garder les étiquettes le plus possible. Puis j'ai tout le reste ici, j'ai marqué les quantités, puis tous mes trucs de ChatGPT là, avec mes questions, puis quand est-ce les partir, etc. Fait que ça donne une bonne idée. Pour les aubergines, j'ai essayé ceux du dumpster diving, puis ça n'a pas marché, puis je me doutais. Si je les avais pas bien faites, je ne sais pas. Fait que à moins que j'ai pris des graines, j'avais acheté des graines aussi. Je sais pas si j'ai essayé les deux. Sinon, c'est pas très grave, là. Ça sera vérifié dans mes petites graines ici que j'ai. Canon OGM. À cette heure, il va falloir chercher ça le plus possible. Hein. Ça pousse sinon mieux. Voilà. Fait que c'est ça. Voilà. Toutes les quantités, la date que je les ai mis. La terre, j'ai pris du Promix en général. J'en ai mélangé moitié-moitié avec de la terre du Dolorama parce que j'en manquais. Et c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai fait pousser ce que j'avais besoin pour mettre au jardin plus vite, ce qui prenait le plus de temps. Puis après, je me suis sorti une liste de qu'est-ce que je devrais planter au jardin étape par étape. Comme là, en avril, j'aurais dû planter les épinards, les pois, les radis, tatata. Ta, ta. Ou le faire à l'automne, puis qu'ils poussent là. Mais là, je le saurai pour l'an prochain. Les fines herbes, ben, j'en ai déjà au jardin, ils sont en train de pousser. En mai, ben, je suis pas en retard, là. Il y a quand même une couple d'affaires que je peux mettre. Les cocombes, moi, je vais attendre parce qu'ils sont pas tolérants au froid, puis les tomates aussi. Fait que ça va être début mi-juin, tant qu'il n'y a pas de gel au sol. Puis là, ben, j'ai les autres. Fait qu'il y a peut-être un petit décalage, là. Peut-être qu'à Montréal, il fait plus chaud qu'à Québec, à Lévis, ici. Fait qu'il faut que j'attende quelques semaines de plus, là, juste pour être sûr de ne pas perdre mes plants. Très abonné. Bye!